trois nouveaux. Alors, comment on pourrait dire race extraterrestre, humanoïde? On va dire trois nouveaux extraterrestres, trois nouvelles races. J'ai commencé par les Syriens, qui est assez court. Par contre, les Alpha Centauriens, c'est très long. Ah, c'est beaucoup plus long. Et je finirai par les Vénusiens. Ça doit être page 145, si je me trompe pas. Ouais, les Vénusiens. D'accord? Georges Adamski, tout ça, bon. Trois nouvelles races. Alors, autant commencer tout de suite, parce que ça va être un petit peu, je sais pas combien, peut-être 20 minutes, peut-être plus, je sais pas. Excellent livre, comme dit tout le temps. Ça rejoint en plus les livres de Lena Danahan, je veux dire, Don des étoiles. J'attends toujours la suite, je sais pas quand il va sortir. Parce qu'il y a la traduction anglaise, tout ça en français, en France, faut toujours entendre quoi aussi. Bon, bref. Il y a plein de choses à chaque coup qui vont pas ici. Hein, bon, c'est pas étonnant, même la Belgique est la plus avancée. Voilà, encyclopédie des races extraterrestres. Alors, les Syriens. Les Syriens sont originaires de la constellation du Grand Chien, plus précisément des planètes orbitant autour des étoiles du système Sirius, composées de Sirius A, étoile la plus brillante du ciel terrestre, et de Sirius B, forcément. Distance de la Terre, 8 années, 3. Il y a plusieurs espèces morphologiquement très différentes qui se côtoient dans le système Sirius. La majorité des Syriens basés sur Sirius A sont de type humanoïde. Ils sont de teint rouge, beige, gris, noir et bleuâtre. Ils sont légèrement plus longs que les humains. Leur taille varie entre 2 mètres et 3 mètres. Entre 2 mètres et 3 mètres, bon, quand même. D'ailleurs, d'accord, ils sont légèrement plus grands que les humains, mais bon, quand même. Déjà, quand tu arrives à 2 mètres, comme moi je dis souvent, bon, je suis 1,90 m, déjà 2 mètres, c'est déjà. Entre 2 et 3 mètres. Et leur tête est plus grande, cela est dû à la taille de leur cerveau qui ont par rapport à ceux des humains un lobe en plus au niveau du front. Donc déjà ça veut tout dire, hein, par rapport à nous. Comme celui des baleines et des dauphins. C'est pour ça, posez-vous la question d'où elles viennent les baleines et les dauphins. D'ailleurs, la majorité des starcides syriens présents sur notre planète ne sont pas dans des corps humains, mais bien dans ceux des cétacés. Hein, baleine, etc. Bon, Sirius A abrite aussi une faible population de bipèdes humanoïdes félines, comme des félins, hein, tête de chat, appelés les Kataï, alors Kataï2YS, et des reptiliens. Sirius B, quant à elle, semble être dominée par une population de type aquatique, les Nomo. Alors ça, je crois que ça rejoint le livre de Helena Danahan, Don des étoiles. D'ailleurs, je mettrai en premier, à la fin de. Enfin, après ce livre-là, à la fin de la vidéo, là, où je défile toutes les images. Leurs reproductions chez eux sont de type humanoïde et similaire à la nôtre. Elle est sexuelle. Mis à part les Syriens de type reptilien qui nous sont hostiles, 15% de la population totale, la grande majorité des Syriens sont amicaux envers les humains. La grande majorité. Hein. Les Syriens nous rendent visite depuis des millions d'années. Alors après, on va nous dire toujours la même histoire, Roswell 1947, Roswell par-ci, Roswell par-là. Là, vous avez entendu, hein, depuis des millions d'années. Ce que je ne serais pas étonné. Hein. Ils nous rendent visite, hein, depuis des millions d'années. Même si leur visite semble être espacée de milliers, parfois de dizaines de milliers d'années, en plus, alors ils peuvent nous visiter une fois tous les 1 000 ans, 2 000 ans, on ne sait même pas, elles sont régulières. Selon une théorie, les Syriens seraient à l'origine de l'Homo sapiens avec l'aide des Lyriens. Acturiens et Pléadiens. Les Syriens se seraient livrés à des expériences sur une race d'humanoïdes arriérés. Humanoïdes arriérés, c'est-à-dire vivant sur Terre. Hein, et auraient ça devient de bon. Modifier l'ADN de ceux-ci en augmentant de la leur, ce qui donna Homo sapiens. C'est bien nous, hein, humanoïdes arriérés. Hein, bon. Aurait modifié l'ADN de ceux-ci en y ajoutant de la leur, ce qui donna Homo sapiens. Plus concrètement, les Syriens ont été en contact avec les humains depuis la période lémurienne. C'était l'une des nombreuses races présentes sur l'ancien continent englouti dominé par les Pléiadiens de Tegat. Ils sont aussi à la base de la civilisation égyptienne antique. Pyramides, hein, quoi sur les pyramides, on retrouve aussi sur Mars. Hein, donc bon. C'est un exemple. Hein. Par exemple, la déesse mythique Isis avait des liens très solides avec cette race. Nous pouvons constater une relation similaire avec les Mayas. Est plus proche de nous avec la tribu africaine des Dogons. Ah oui, eux ils sont grands, ils font moins dans les 2 mètres, 2 mètres 10. Ah oui, eux c'est vrai, ça c'est vrai. C'est pas non plus des bêtises, ça c'est sûr. La tribu africaine des Dogons, ils sont grands, ils font facile 2 mètres, 2 mètres 10 les plus grands. Pas pour les bonhommes. Peuple de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, des Dogons, étonnent avec leur cosmogonie, mais plus encore avec leur connaissance astronomique. Eh oui, mais selon leur cosmogonie, le dieu Ama serait le créateur du monde. Ama.
A2MA. Il aurait tiré la terre d'un boudin d'argile. De cette manière seraient nés les 8 nomos. Alors c'est marrant parce que nomo, ça me fait penser à Nostromo dans Alien, mais bon, ça n'a rien à voir. Nomo, NO2MOS, des êtres au pouvoir magique donnant naissance aux 8 tribus Dogons. Les Dogons affirment que ces nomos sont venus du Sirius et que Sirius est accompagné d'une autre étoile. Ils font référence à l'étoile Sirius B. Impossible à voir à l'œil nu, Sirius B a été découverte en 1836. Les Dogons ont fait part aux chercheurs d'autres savoirs astronomiques très étonnants, comme les quatre satellites principaux de Jupiter, les anneaux de Saturne, comme la Terre tournait autour du Soleil et qu'elle faisait partie de la Voie lactée. Aussi que la Voie lactée était une galaxie en mouvement en spirale. Là, c'est marrant parce qu'on rejoint carrément le film Prométhéeus. Hein, c'est les films que je regarde le plus, de toute façon. Alien, Predator, c'est comme ça, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose. Au début, là, il faut voir la présentation dans Prometheus, qui sortait en 2012, hein, Ridley Scott. Il faut voir des représentations rupestres, de peintures, on voit plusieurs planètes, et apparemment, c'est vraiment tiré de vrais trucs. Voilà. Bon, après, je sais plus trop dans le film, enfin, il y a tellement de bazar, et ça rejoint un petit peu ça. Hein. Les Dogons ont fait part aux chercheurs d'autres savoirs astronomiques très étonnants, comme les quatre satellites principaux de Jupiter, les anneaux de Saturne, qui la Terre tournait autour du Soleil, et qu'elle faisait partie de la Voie lactée. Aussi que la Voie lactée était une galaxie en mouvement en spirale. Hormis leurs grandes connaissances astronomiques intrigantes, les Dogons, comme les aborigènes australiens et les Rohéla indiens, je pense aussi aux Indiens, affirment que leur savoir est dû à un contact extraterrestre, ce qui ne m'étonne pas. Certains chercheurs, bah David Rousseau, c'est d'origine amérindienne, hein, donc. Certains chercheurs occidentaux prétendent que le savoir de la tribu africaine découle d'une contamination culturelle. C'est donc pendant la colonisation que les Dogons auraient acquis ces connaissances. Cette approche occidentale est très égocentrique et n'explique pas grand-chose. Selon une autre hypothèse, les Dogons auraient été en contact avec les savants musulmans ou même avant la conquête musulmane avec les savants de l'Égypte antique. Moi, je dirais plutôt l'Égypte antique. Mais bon, leur savoir découlerait donc de ces interactions. Même si cette hypothèse est plus plausible, elle manque aussi de preuves concrètes. Les Alpha Centauriens. Alors là, c'est beaucoup plus long à lire. Beaucoup, beaucoup plus long. Par même de Dieu, je ne sais même plus. Je l'avais vu. Ah oui, Elisabeth Clairère, parce que j'avais déjà montré. Alors après, ça peut en avoir, mais ça, je ferai une autre fois les Alpha Draconiens. Bon. Et après, je terminerai par les Vénusiens. Hein. Alors, les Alpha Centauriens. Avec la belle image, je vais essayer de retrouver. Sur Internet, elle va être toujours là. C'est une sorte de satellite. Je me demande même si Nikola Tesla l'a pas découvert en 1899 ou en 1900. Qu'elle aurait découvert, je pense. Il me semble, je sais plus. Qui serait là depuis des milliers d'années. Une sorte de satellite, quoi. On appelait même le chevalier. Je crois qu'il s'appelle le chevalier noir. Pas confondre avec Batman, mais bon. Il me semble que ça s'appelle comme ça, le chevalier noir. Et je sais pas si encore autour de la Terre, mais logiquement, oui, autour du globe. Et il tourne. Il est là depuis des milliers d'années. Ça, c'est pas un satellite, hein. Ça, bon. Apparemment, non, c'est pas possible. Bon. Les Centauriens ou Alpha Centauriens ou encore Alphatiens sont originaires du système planétaire d'Alpha du Centaure. C'est le système planétaire le plus proche du nôtre avec l'étoile centrale Proxima du Centaure. Distance de la Terre, 4,24 années-lumière. Hein, c'est un système planétaire similaire au nôtre avec 7 planètes. La plus grande des planètes est nommée Phaéton ou parfois Alphata. Phaéton. Alors, Phaéton, je sais même pas si ça se dit comme ça doit pas être comme ça, enfin je suis pas sûr, Phaéton ou Phaéton, hein, est une planète au climat tempéré. Ses mers et ses océans sont identiques à ceux de notre Terre, comme sa taille qui fait 95% de celle de notre planète. Les Centauriens habitent majoritairement sur Phaéton, ou Phaéton peut-être, Phaéton. Deux autres planètes du moindre taille sont occupées par la race. Il s'agit de Phaénon et Pyrioi. Alors, Pyrioi, Pyrioes. Et Phaénon, Phaénon. Bon, ces deux planètes ne sont pas habitées, les Centauriens les utilisent comme base militaire et industrielle. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de structures, que ce soit sur Jupiter, d'autres planètes. Ça, c'est faut regarder le livre de André Haas, Prédateur cosmique. Il est magnifique ce livre-là parce que sur toutes les planètes, pratiquement, il y a des structures. On se demande d'où ça vient, c'est pour militaire ou autre chose, il y a des structures partout, comme sur Mars. Il parle bien comme base militaire et industrielle. Hein. Morphologiquement, les Alpha Centauriens sont identiques aux humains. Ils ont une histoire très tragique. Ils sont comme nous à la base d'origine lyrienne. Pendant la période appelée la Grande Expansion lyrienne, il y a 1 million d'années,
Phaéton, Phaéton, je vois. Phaéton. Comme notre terre a été peuplée par nos ancêtres lyriens, et ils ne seront pas à la suite comme nous confrontés à une invasion des races reptilo-draconiennes, comme par hasard, hein, c'est toujours les mêmes pratiquement, composés de Dracos, Naga et Kingu. Pas les meilleurs, hein. Loin de là, les Alphratiens feront la guerre à ces entités sombres. Tous les Lyriens de Phaéton périront pendant ces guerres. Ensuite, Phaéton de moins 6000 à 1561 sera transformé en une planète prison où des humains d'origine terrestre seront apportés pour être cultivés. Des humains d'origine terrestre, hein, seront apportés pour être cultivés. Phaéton aurait des allures de grandes fermes humaines. Les humains seront utilisés comme esclaves et traités comme du bétail. Ici, nous parlons vraiment de collectif alimentaire jusqu'à l'intervention militaire des armées de la Fédération en 1561. Cela, ça ne vous rappelle rien, 1561? Mirabeau. Bon. La plus grande et impressionnante bataille se déroulera le 14 avril 1561. Vous savez, sur la fresque, le tableau. Ben, ça va de là, c'est des vaisseaux, voilà. Elle sera même visible de la Terre, par exemple de la ville de Nuremberg en Allemagne, en Garde, voilà. Encore des souvenirs. 1561. Un de ses habitants, Hans Glaser, un graveur imprimeur, nous relate le fait qu'il entrera dans la littérature sous le nom de Phénomène céleste de Nuremberg de 1561. Tout ça, j'en ferai des recherches. Il y en a qui s'imaginent que c'est toujours le soleil, des étoiles. Bon, c'est bien des vaisseaux extraterrestres, hein, plus ou moins, hein, c'est mélangé avec d'autres choses. Voilà. Hein, bon, dans un prospectus qu'il publiera par la suite. Selon Glaser, le phénomène a été observé par de nombreux témoins et sous sa gravure représentant un soleil couvert de multiples points lumineux, des vaisseaux spatiaux en forme de cigares, mes préférés, et autres formes géométriques, il écrivait ceci en l'an 1561. Écoutez bien. C'est connu, hein, vous faites des recherches, je vais remettre le lien, Nuremberg, 1561, phénomène céleste, ça c'est sûr. Hein, bon. En l'an 1561, le 14 avril au matin. Entre l'aube et à peu près vers 4 ou 5 heures à la montre, est apparue sur le soleil alors qu'il se levait une vision effrayante et vue par nombre d'hommes et de femmes à Nuremberg, à la porte de la ville et dans la campagne. D'abord sont apparus avec le soleil deux arcs rouge sang. Vous imaginez le truc, rouge sang, hein, des arcs. Pas très beau quand même. Bon, enfin, après, bon. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu la bataille. Hein. Comme la lune dans son dernier quartier, en haut et en bas scintillant comme le soleil, et des couleurs de sang de chaque côté. Tout autour du soleil, on voyait de nombreuses sphères de couleur bleuâtre ou ferreuse ou encore noire. D'autres couleurs de sang étaient formées en cercle de chaque côté du soleil. D'autres encore sont apparues par rang de 3, d'autres par rang de 4. Entre ces dernières, on voyait des croix rouges sang. Et entre toutes ces sphères, pardon, et croix, des traînées rouges sang à l'arrière-plan. Ça n'a pas dû être très beau, hein. J'imagine le truc. Bon, non, mais bon, faut imaginer un truc, tu regardes le ciel, tu vois du rouge sang partout. Hein, des phénomènes, des trucs, des cigares, bon, c'est... À cette vision se mêlaient des cylindres souples et creux. Et il y avait aussi trois grands cylindres, et un à main gauche, et un à droite, et un troisième au-dessus du tout. Et dans ces cylindres étaient quatre sphères ou plus. Tous ceux-là ont commencé à se battre entre eux. Donc c'est bien une mini-guerre qui s'est passée au-dessus, hein, dans le ciel. Pas de mini-guerre. On rapporte que les sphères sont d'abord rentrées dans le soleil et en sont ressorties pour s'entrechoquer. Les grands cylindres ont commencé à se tirer dessus avec des sphères. Pendant une bonne heure, tout cela a combattu violemment et a lutté jusqu'à l'épuisement des forces en s'élevant et s'abaissant devant le soleil. Enfin, comme il a été rapporté, tous les objets ont chuté vers la terre comme s'ils voulaient tous s'incendier et sont finalement tombés sur le sol dans un grand élèvement de vapeur et se sont dissous. Parce qu'on aurait pu récupérer des artefacts, hein. Vous voyez, comme quoi on parle de Roswell, là, là on est en 1561. Mais malheureusement, ils se sont tous dissous. Hein. Après ces spectacles, on raconte qu'est apparu dans le ciel une chose semblable à un grand et large fer de lance noire. Son emmanchement orienté à l'est et sa pointe à l'ouest. Mais ce que nous tous ces signes signifient, Dieu le seul le sait. Alors pour oublier que nous sommes en 1561, pour eux c'est Dieu, tout ça. Oui. Non, c'est pas des trucs extraterrestres, ils avaient pas encore. Alors le seul, si, c'était Giordano Bruno qui est mort en 1600. Lui, pour lui, il y avait une civilisation extraterrestre, mais il était brûlé vif sur le bûcher en 1600. Le grand Giordano Bruno. Bon, en 1561, on n'est pas loin. Hein. À 40 ans près. Alors, 50 ans. Alors, mais ce que tous ces signes signifient, Dieu seul le sait, mais comme nous avons vu se succéder ces derniers temps dans le ciel tant de signes différents que Dieu. Tout-Puissant a fait apparaître, comme s'il voulait nous faire pénitence pour notre vie de péché.
Nous sommes si ingrats que nous négligeons de tels signes et prodiges, et nous plaisantons sur le sujet et en faisons fi. Il a à craindre que Dieu nous inflige une terrible punition pour notre ingratitude. Donc c'est pas ça, hein. Bon, même si on les considère comme ça, c'est pas ça. Bon. Cependant, ceux qui craignent Dieu ne les négligeront nullement, et tous ceux-là garderont fidèlement l'avertissement de leur Père miséricordieux, amélioreront leur vie et serviront Dieu avec joie pour celui-ci détourne de nous sa colère et la punition méritée. C'est un peu comme, hein. Pour que nous, comme des enfants, pour que nous, comme ces enfants, puissions vivre ici dans un temps de là-bas pour l'éternité. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Par Hans Glaser, peintre de lettres à Nuremberg. La guerre continua jusqu'en 1570. Les armées de la Fédération traqueront les Dracos et Reptiliens, parfois même jusqu'aux petits recoins de notre planète, et ne s'arrêteront après avoir entièrement nettoyé Phaéton et ses environs de cette race agressive. Phaéton a été ensuite offerte aux survivants centauriens et sous la tutelle de la Fédération, des races comme les Pléiadiens de Téguet et les Andromédiens ont aidé les rescapés centauriens à se reconstruire. Je me demande même si dans le Nuremberg, la fresque, le tableau, il n'y a pas un vaisseau andromédien dedans. La bataille céleste, je vais dire, de 1561. Une fois, je crois entendre ça. Comme par hasard, il parle des andromédiens. Bon. Enfin, il parle des andromédiens. On a aidé les rescapés centauriens à se reconstruire. Maintenant, les centauriens sont des êtres libres, indépendants, progressifs et surtout d'énergie positive, vibrant en 5D. Ils font partie de la Fédération Galactique et ont acquis de la technologie andromédienne et pléiadienne. Ils ont aussi développé la leur. Ils œuvrent actuellement pour notre émancipation. Les centauriens sont plus actifs et les plus nombreux à avoir des starseeds sur Terre. La race est aussi active avec sa flotte de vaisseaux chasseurs appelés les Chevaliers Noirs. Ce que je vous ai montré tout à l'heure en début. Hein. Pas confondre avec Batman, ça n'a rien à voir. Même si c'est un excellent film, mais ça n'a rien à voir. Bon. Photographié à plusieurs reprises en orbite terrestre, voire photo ci-dessus, leur dernière intervention date du 25 mars 2021. 25 mars 2021, à Washington, où un chevalier noir a explosé un vaisseau reptilien. Alors là, je sais même plus où il faudrait peut-être rechercher ça. Alors, bon, c'est sûrement la photo que je vais vous faire voir. Donc, c'est bien ça. Un chevalier noir a explosé un vaisseau reptilien appartenant au programme secret spatial, les programmes spatiaux secrets, et alors c'est extraterrestre, comme par hasard, ça rejoint les livres, hein, bon, qui essayait de percer le barrage centaurien. Les témoins ont pu observer après une grosse explosion un gros nuage métallique dans le ciel. Nocturne, c'était bien les fragments très brillants de couleur gris métallique du vaisseau reptilien qui, après avoir flotté un moment, se sont dissipés dans le ciel. Alors, malheureusement, ils se dissout tous. Alors, pour récupérer ça, vas-y. Sur les officiels, la cause était d'abord l'explosion d'une météorite. Ah bah oui, tiens. Voyant que cela ne collait pas, ils changèrent de version pour déclarer par la suite, ah oui, que c'était une des fusées de la société SpaceX. Oui, bien sûr. Comme ça, à faire classer, ou c'est des Russes, ou ouais, bah, c'est toujours le même truc, bref, qui avait explosé. Sans méchant aussi, hein. Bon, bref. Du fait de leur morphologie quasi identique à la nôtre, je vais dire par rapport aux Russes, toujours en train de. Mais là, ils ne parlent pas des Russes, hein, là, c'est SpaceX. Du fait de leur morphologie quasi identique à la nôtre, il est impossible de savoir exactement la fréquence de leur visite. Sur les témoignages d'anciens militaires américains, un protocole existerait pour les contacter. Ce protocole est testé dans le documentaire de Stephen Greer, Unaknouleg. Gade, je vous le montre après. Les alphas centauriens sont des êtres rejetant toute compétition en concurrence entre les êtres. Ils trouvent cela néfaste et prônent la liberté individuelle et la justice sociale. Ils vibrent en 5D, 5 dimensions, cinquième dimension, densité, ouais. Ouais. Et veulent nous aider pendant notre processus d'ascension vers la 5D. Alors pour confondre avec la 5D, t'as compris, la boxe et tout ça, ça n'a bon, rien à voir. Hein. Nous ne pouvons pas dire que nous avons été abandonnés par notre race, nos races cousines, car même si une intervention directe n'est pas possible du fait que sur Terre, contrairement à Alpha du Centaure, un semblant de libre arbitre persiste, nos dirigeants ont reçu en 1954 une proposition semblable à celle des Centauriens, c'est-à-dire une promesse d'aide et d'accompagnement de notre race vers une société pacifiste de 5D avec de la nouvelle technologie. C'est marrant parce que 1954, c'était la grande période, la grande vague dans le monde et en France, c'était une des plus grandes vagues d'OVNI, 1954, hein, Mare Jusdewald, tout ça, bon, c'est comme par hasard, c'est bon.
Hein? La seule condition requise pour adhérer à ce pacte était de se désarmer complètement. Cela inclut évidemment d'abandonner le programme nucléaire en pleine guerre froide. Cette proposition a été rejetée par le président Eisenhower. Là, j'ai pensé à ça, 1954 aussi. Si ce pacte avait été accepté, nous aurions pu expérimenter une évolution similaire à celle des Centauriens et devenir une race interstellaire. J'en mettrai les liens, la fin du vaisseau dans le ciel, 1561, Nuremberg. J'en mettrai ces deux liens-là. Hein. Ça sera bien ça, en plus. Je voudrais terminer avec les Centauriens en partageant avec vous l'histoire de l'une des contactées par cette race. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'était très intéressant. Je crois que c'était Alain Moreau, hein, dans les tomes, là, les 6 tomes. Elisabeth Clarer. Oui, j'en mettrai le lien. Son histoire est impressionnante et les informations qu'elle nous relate sont précieuses. Elisabeth Clarer est une Sud-Africaine née en 1910 à Moya. Moy, non, M-O-M-2-O-I, River. Une région reculée du Natal. Dès son plus jeune âge, Elisabeth étonne. Enfant, elle communique en parle la langue des tribus voisines du domaine familial. Se trouvant à Kwesala Natal dans les Midlands, sans y avoir été initiée, elle joue de plusieurs instruments de musique, a des dons de voyance et de télépathie. Bah, je veux dire une chose, ça rejoint un peu comme Nikola Tesla, Léonard de Vinci, parce que c'est pas un hasard, hein, ces gens-là. Après, bon, quand même, c'est un truc qui est au point, hein, je trouve. Hein. Il y a certaines choses qui vont pour rien. En plus, comme ils ont dû, c'est des grands génies, enfin, dans des domaines différents. Robert Einstein. À l'âge de 7 ans, alors qu'elle joue non loin du domaine familial avec sa sœur Barbara de 9 ans, c'est comme Jules Verne. Hein. C'est par hasard, hein, tout ce qu'il a fait dans ses livres. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, retrouver des livres comme ça, des anciens, mais après, c'est trop cher, mais il y a tellement de trucs qui collent un peu avec des trucs mystérieux, voire même UFO. C'est quand même incroyable, Jules Verne, à l'époque, je trouve. Lui aussi, il y a quelque chose qui est pas logique, moi. Domaine familial avec sa sœur Barbara de 9 ans, elle se trouve nez à nez avec une soucoupe volante argentée. Voilà, ouais, ça commence fort. Quelques mois plus tard, Elisabeth joue en dehors de la propriété et se retrouve en danger. Une tornade s'approche dangereusement de la petite fille, qui sera sauvée par l'intervention de cette même soucoupe volante argentée. Mais c'est en 1954 qu'Elisabeth sera vraiment contactée. Le vaisseau argenté de son enfance est de retour. Alors, je crois que c'est pas, il s'appelle pas Hatton. Ce qui était dedans, le lettre qu'il a, bon. Et se montre à elle sur la colline de Katkin. C-A-T-H-K-I-N. Le vaisseau reste en vol stationnaire à 1 mètre du sol pendant plusieurs minutes. Elisabeth Clarer décrit le vaisseau ainsi, de couleur argentée, bon, tout classique, avec un diamètre de 18 mètres, de forme elliptique, avec un dôme dans lequel des fenêtres sont visibles. Et à travers l'une de ces fenêtres, la jeune femme observa un être humanoïde qui était pour elle le plus bel être de l'univers. Bah, c'est pour ça que moi souvent on me dit oui Jésus tout ça, bah, je me demande même si ça vient pas de là, parce que bon c'est quand même curieux, parce que le plus bel être de l'univers, ça correspond quand même à certaines choses divines, on va dire, hein, divin, hein, quand même. Bon, pendant l'observation, là ça paraît peut-être con ce que je dis, mais bon, pendant l'observation, la soucoupe décolle subitement à la verticale et disparaît. 18 mois plus tard, la soucoupe argentée revient sur la même colline, et cette fois Elisabeth Clarer, l'ayant ressenti grâce à ses aptitudes psychiques très développées, se rend sur la colline des Katkin, comme pour honorer un rendez-vous planifié. Une fois sur les lieux, elle voit la soucoupe argentée au sol et à côté de celle-ci, un être humanoïde ressemblant parfaitement aux humains, mais une différence, mais d'une beauté, beauté hors du commun. Je voudrais voir les femmes. Bon, alors, l'être angélique de grande taille aux cheveux gris clairs et au teint. C'est ça qui me... Bon, or clair se présente et convie Elisabeth dans le vaisseau. Il s'appelle Akon. Ah, c'est pas Aton, c'est Akon. A-K-O-N. Je confonds avec autre chose peut-être. Il vient d'une planète d'Alpha du Centaure. Une fois dans le vaisseau, bah, les Vénusiens, avec les belles Vénusiennes, sont magnifiques. Rien que d'y penser, voilà, avec George Adams, qui sauf ça qu'on va arriver à la fin. Après, je vous lire ça. Akon vient d'une planète d'Alpha du Centaure. Une fois dans le vaisseau, il montrera son invité terrestre sur un écran holographique. Déjà, nous sommes en 1960, je sais plus quelle année, hein, 1954. Ouais. Holographique des images de sa planète et présente à Elisabeth aux autres membres de l'équipage. Akon donnera des informations sur le système sociétal de sa planète où police, armée, politiciens, gouvernement et argent n'existent pas. C'est-à-dire que lui, chez Akon, la police, l'armée, les politiciens, gouvernement et argent, ça n'existe pas. Ce qui est pas étonnant, hein, quand tu vois ce que ça donne. Hein. On a compris dans le monde. Bon. Ben oui, il y a un bug avec tout ça. Je suis désolé, il y a un bug. Ici. Bon. Il y a quelque chose qui. Mais bon, en même temps, bon, c'est.
Ici, on est sur Terre, hein, c'est pas encore le même truc, mais bon. Chaque citoyen s'exerce un autocontrôle et agit de façon éthique. Hakon donnera aussi des informations sur le mode de fonctionnement de son vaisseau qui utilise l'énergie électromagnétique de la Terre, une énergie gratuite et infinie. D'autres sujets seront abordés comme comment les Alpha Centauriens sont parvenus à se propager dans l'univers, leur technologie, leur philosophie basée sur la plus grande source d'énergie de l'univers qui est l'amour. C'est pour ça qu'on dit l'univers est amour. Hein, ça c'est Patrick Desceaux qui me dit souvent, ou je sais plus, il y a un site comme ça, Ciel. Un qui parle souvent d'amour, enfin bon, enfin, des êtres interstellaires, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, l'amour est l'univers est amour, bon, c'est comme on dit. Après avoir terminé leur mission, Hakon et les siens retournèrent pardon, sur leur planète. Elisabeth Clarer attendait jusqu'à la fin de sa vie le retour d'Hakon. Mais bon. Persuadée qu'elle allait revenir pour l'emmener avec lui vers Alpha du Centaure, mais Hakon ne revint pas. Elisabeth Clarer est morte à l'âge de 84 ans. Elle a laissé derrière elle de nombreux témoignages de son contact, une bague appartenant à Hakon, une pierre provenant de l'espace et de merveilleux ouvrages. Ça, j'aimerais bien le voir, quand même, parce que j'aimerais bien la voir plutôt. Ça, c'est un truc, la bague et tout ça. On peut citer à titre d'exemple, je ne le ferai pas parce que, bon, par respect, à titre d'exemple, Beyond the Light Barrier. Par contre, je vais vous montrer. Après, je vais passer au Vénusien. Ouais, c'était ça tout à l'heure que je vous disais, là. Stephen Greer, j'avais oublié, mais ça revient après. Non. Ouais, c'est ça. Ok? Ah, il parle bien de la 5D, tout ça. Bon. Voilà. Maintenant, je vais passer au Vénusien et je vais finir là. Et c'est magnifique. Et... Non, les menthes religieuses, là, non. Les draconiens, non. Je ferai une autre fois tout ça. Les grands gris. Voilà, les Vénusiens. Mais c'est très court pour toi, on finira comme ça. Et c'est très bien. Ah, bah, justement, là, il y a un truc intéressant aussi. Je sais pas si je le mettrai. En 1965, lors de la mission Gemini. 4. Je regardais par le hublot lorsque j'ai aperçu un objet cylindrique auquel était attaché un tuyau ou une antenne. Ça, c'est vrai. Hein. Une photo est sortie après qui ne correspondait pas du tout à l'objet que j'avais vu. Bah oui, parce que c'est pas la même dimension. Et comme je dis souvent, quand tu fais une photo de ces engins-là, t'auras pas... ça sera flou. À 90%, 95%, ça sera flou. Donc après, pour avoir la preuve, bah voilà, t'es bien emmerdé. Mais pour toi, il l'a vu. Cela ressemblait plutôt à des taches de lumière. James McDivitt. Je vous le montrerai après, parce que déjà je vais lire sur le côté. Les Vénusiens sont comme leur nom le laisse entendre, les Vénusiens. Originaire de la planète Vénus, Vénus est la deuxième planète de notre système solaire par ordre d'éloignement par rapport au Soleil. Elle est souvent présentée comme la planète sœur de la Terre en raison des similitudes qu'elle présente avec celle-ci, masse, diamètre et composition. Par contre, Vénus présente des différences majeures avec notre planète comme un champ magnétique plus faible et une atmosphère beaucoup plus dense qui est composée de dioxyde de carbone à 96%. La planète est constamment enveloppée du nuage d'acide sulfurique et est la planète la plus chaude. Là, je vous montre ça. Je mettrai comme ça le lien de ça, même si. Bon, c'est pas, j'en fais la photo, de toute façon, on le voit. Parce que moi, pour le fou, j'en mettrai la photo. Ouais, c'est pas grave. Je pense que des fois, la caméra est bizarre. Alors, la plus chaude du système solaire, avec une moyenne de 460 degrés Celsius. Ouais. De plus, la surface de Vénus est un désert de roches avec une activité volcanique dense. Après, on dira qu'il n'y a pas d'habitants dessus. Ces caractéristiques rendent la vie en sa surface tout simplement impossible. Mais les informations que nous avons sur les Vénusiens proviennent exclusivement de George Adamski et de son contact vénusien du nom de Horton. Alors là, c'était Hakon, lui c'est Horton. Et que je signale quand même que ces gens-là, c'était bien avant. Alors, de toute façon, j'ai un compte, hein, attention, c'était bien avant David Rousseau et Nadana. Hein. Elisabeth Clarer et George Adamski. Bien, bien avant. Hein, comme quoi, je veux dire, c'est pas nouveau. Bon, c'est du chocolat, sûrement. C'est pas grave. C'est car ainsi, rendre la vie en surface tout simplement impossible. Les informations que nous avons vues sur les Vénusiens proviennent exclusivement de George Adamski et de son contact vénusien du nom de Horton, et dans une moindre mesure de Howard Menger et un autre contacté par la race. Un autre contacté par la race. George Adamski. Je remettrai bien aussi. Hein. 1891-1965. Et même ça tombe. Hein. De toute façon, vous cherchez sur Google Images, vous trouvez directement. Et le premier contacté de l'époque contemporaine. Il suit exactement le même schéma que d'autres personnes qui seront contactées par la suite. Bien que les récits de chaque contacté présentent des variantes dans leurs détails, ils semblent néanmoins tous suivre le schéma suivant. Suivre le schéma suivant. Suivant, c'est pas avec un E, c'est un O. Hein. Bon, moi qui voulais dire le schéma suivre,
Ouais, il a dû se tromper. Hein. Suivant. Une impulsion interne pousse la le futur quantitatif à s'intéresser énormément aux races extraterrestres. Petit 1. Petit 2. Un premier contact est établi avec le futur contacté par télépathie. Une sorte de transfert de pensée de le réconfortant et le préparant au véritable contact. Petit 3. L'humain et les extraterrestres se retrouvent dans un endroit plus fréquenté où les entités extraterrestres se présentent à lui. Petit 4. Le contacté est convié dans le vaisseau des extraterrestres. Ça se complique, hein. Petit 5, le contacté accepte de continuer à rencontrer des extraterrestres ou pas. Petit 6, bah après ça dépend combien ils ont, hein. Là bon, là c'est des bons. Petit 6, si le contacté accepte de continuer, il est convié dans le vaisseau extraterrestre. Certains contactés témoignent avoir effectué des voyages terrestres autour de la Terre, mais toujours dans l'atmosphère terrestre. Tandis que d'autres témoignent être emmenés sur d'autres planètes. Petit 7, une relation de confiance mutuelle s'installe. Le contacté avec l'aide des extraterrestres est chargé d'éveiller le plus de conscience possible. Le contacté aide la race extraterrestre pendant leurs expériences qu'ils effectuent sur Terre. C'est en 1946, après la mort de sa mère, qu'Adamski développe une passion pour la vie extraterrestre et les soucoupes volantes. La même année, il fera ses premières observations des vaisseaux en forme de cigare, encore une fois, une cigare, c'est mon préféré, mais bon, en forme de cigare, et des soucoupes volantes, qu'il arrivera même à photographier, et rencontrera à deux reprises un Vénusien du nom de Horton en 1950. Donc ça correspond à Elisabeth Clarer, parce que là c'est 1954, à Cône, et lui c'est Horton, c'est marrant quand même, hein. C'est curieux. La première fois seul et la deuxième fois devant une dizaine de témoins. Horton est de type humanoïde nordique, il mesure à peu près, un peu plus de 2 mètres. Lui aussi a une apparence magnifique. Bon, oui, la préoccupation majeure d'Horton est d'élever la conscience de l'humanité à un niveau supérieur et surtout de contribuer à l'abandon des essais nucléaires par ceux-ci. Adamski écrira par la suite plusieurs livres dans lesquels il décrira largement le contenu de ses rencontres et de ses voyages avec Horton, qui lui donne entre autres des informations sur la face cachée de la Lune. Pas étonnant, hein, la Lune, hein. Et qui serait pour lui occupé par des races extraterrestres. Bah oui, de toute façon, on sait très bien qu'il y a un truc qui est opaque, la Lune. Bon. Adamski prétend avoir visité la planète Vénus et aussi avoir participé à un conseil entre plusieurs races extraterrestres sur la planète Saturne, qui pour lui, comme Vénus, est aussi habitée. Saturne, hein. Adamski décrit aussi la ceinture de radiation de Van Allen. Alors c'est bien ça, le guitariste de Bill Ops, Michael Jackson, c'est bien Van Allen. Le célèbre guitariste, là, je crois même qu'il est dessiné. On a l'air dans la tête, quoi. Moi j'aime bien toutes ces chansons-là. Voilà, oui, ça doit être ça, Van Allen, radiation de Van Allen, ouais, c'est écrit pareil. 8 ans avant la découverte de celle-ci par James Van Allen, 1958, ouais. C'est le même nom, comme par hasard. Bon. Aujourd'hui, nous avons assez de recul pour évaluer les propos d'Adamski. Bah, et puis Moonwalk, Moon, c'est Lune. À la lumière des nouvelles technologies et découvertes, mais bon, c'est gare, hein. Nous pouvons affirmer que le constant est plutôt mitigé. Nous avons les pro-Adamski qui croient dur comme fer aux affirmations de celle-ci et les sceptiques qui essayent de le discréditer. Je vais remettre les liens de Michel Zerger. Il m'avait contacté il n'y a pas longtemps, il m'avait dit que c'était bien les vidéos que j'avais faites et je remets les liens de ses livres. J'ai plusieurs livres, j'essaie d'en mettre ces liens, c'est magnifique. D'ailleurs, il va reconfirmer d'ici mi-août. Je sais pas si c'est dans un magazine ou un nouveau livre. J'ai pas bien compris ce qu'il m'avait dit. Pour George Adamski encore, Michel Zerger. Et lui, c'est un très bon signe. C'est pas un rigolo. Hein. C'est un très très bon ufologue. Hein. Très long, très 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 bon. Peut-être un des meilleurs pratiquement. Bon. Après, c'est mon. Pour ma part, il est évident qu'il y a du vrai dans les affirmations. Il y a quand même Bernard Bidault, hein, que j'oublie. Enfin, lui, il est décédé. Affirmation qu'Adamski, mais des lacunes et des exagérations sont aussi observables. Par exemple, il était impossible qu'Adamski ait eu connaissance de la ceinture de radiation de Van Allen, pas Alien, des structures, bâtiments et autres anomalies lunaires. Bah oui, voilà, ces observations d'OVNI me semblent aussi sincères. Par contre, la photo de la soucoupe volante qu'il présente ressemble à une vulgaire lampe. Non, pour moi, c'est authentique. D'ailleurs, Michel Zerger, il en passe. C'est une authentique. Alors après, il y en a qui parlent de Honobu, Nazi, SS. C'est pour ça qu'il y a toujours des gens pour contredire. Par contre, la photo de la soucoupe volante qu'il présente ressemble à une vulgaire lampe à pression et les données récoltées par le biais du programme spatial soviétique Venera ont fortement discrédité ces affirmations sur Vénus. Malgré cela, je ne peux pas blâmer Adamski car son but était honorable. Pour ce qui est de l'existence des Vénusiens, le bilan est clair, aucune vie n'est possible sur la surface de Vénus. Bon, si notre état vibratoire ne dépasse pas la 3D, mais pour des êtres évoluant en 5D, tout est possible, car Vénus n'est pas une planète, mais seulement un endroit. Ouais, c'est pas pareil, hein. Donc c'est possible pour ceux qui sont en 5D. Ouais, bon.
Une fréquence comme toute chose composant notre univers. Autrement dit, Vénus pourrait parfaitement abriter une race extraterrestre, mais éthérique. C'est bien dit, je trouve que c'est bien dit ce qu'il a dit. Éthérique, hein, c'est comme si c'était en. Comment dire ça? Pas translucide, mais il serait en éthérique, en plasma, je sais pas comment dire ça. Enfin, c'est comme un fantôme en gros, mais sauf que c'est pas un fantôme. Enfin, j'essaie d'imaginer le truc éthérique. D'ailleurs, il y a des êtres comme ça, ils sont éthériques, sur des planètes. Ils peuvent même pas nous voir d'ailleurs, ils sont tellement loin où ça dépend. Ils n'ont pas la même densité, ça. C'est éthérique. C'est encore autre chose. C'est des extraterrestres éthériques. C'est encore autre chose, mais ça reste des extraterrestres. C'est d'ailleurs ce point de vue qui est adopté par la majorité des spécialistes qui s'intéressent à la race vénusienne. Presque fini. Le livre secret des races extraterrestres russes du KGB nous donne aussi des informations similaires sur cette race. Pour les Russes, une vie biologique en surface serait possible dans des villes recouvertes d'une sorte de biodôme. Comme il y a des dômes sur Mars, hein. Mais la majorité de l'activité serait concentrée dans une autre dimension, sur la contrepartie de la planète dans l'antimatière. Dans cet univers parallèle, Vénus ferait partie d'une alliance de 12 planètes appelée l'Alliance Cardassienne. Et un des peuples qui habiterait Vénus serait les Hathors. Hathors. Alors l'Alliance Cardassienne, KOL, bah, je vous montre après. Plus vite. Certains contactés par la race pléadienne affirment que les pléadiens aussi auraient des colonies dans cet univers parallèle qu'ils appellent eux le DAL, DAL, en majuscule. Hein. En nous basant sur toutes ces informations, nous pouvons définir les Vénusiens comme une race éthérique multidimensionnelle. Moi, je trouve que c'est très bien dit. Une race extraterrestre, bon, une race éthérique multidimensionnelle, je trouve que c'est très bien dit. J'aurais pas dit mieux. Bon. L'alliance Cardassienne et Vénus serait les Hathors. Bon, ça suffit de dire, c'est marqué dessus. Voilà, ici, l'alliance. Même s'il y a du flou, excusez-moi. Voilà, c'est ici. Bon, je vais pas refaire la photo, mais KOLDASIE2NE et Hathor. HATHORS. Hein, pas tort, hein, pas le film. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, voilà. Donc je vais se voir à côté parce que c'est des humites. Je pense à Jean-Pierre Petit. Voilà, je coupe. Voilà, je coupe. Alors, c'est très long. Ça fera un bon 40 minutes. Je m'en doutais parce que. Les Alpha Centauriens, les Vénusiens et les Lyriens, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Et les Syriens, pardon. Les Syriens. Les Syriens. Alpha Centauriens. Et les Vénusiens, et je coupe là, j'en mettrai tous les liens. De toute façon, il faut que je redise tout quand c'est comme ça, genre. Genre note sur ou dans ma tête, assez direct, de toute façon, je sais. Voilà. Ah oui, avec Nuremberg, c'est très intéressant aussi, ça. Bon, là, sur les Syriens, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, je ne veux pas mettre quelque chose de. Les Centauriens, ça, c'est sûr. Il y a plusieurs choses à mettre. Nuremberg. Et puis, je sais plus quoi. Bah, bref. Vénusien, évidemment, les livres de Michel Zerger. Voilà, j'ai dû oublier quelque chose, mais je sais plus, je regarderai. Ouais, enfin, je sais plus. Pacifisme, ça. Bon, je vais pas remettre une zéro là, parce que bon. Elisabeth Clairet, hein, j'avais oublié, ouais. Bon, je coupe là, merci, à bientôt, d'ici 2 à 3 jours. A plus, magnifique. A plus, merci.